pauvre homme de Cro-Magnon. Il avait pas la télé couleur et encore moins d'ordinateur. Quand il cliquait sur une souris avec son gros doigt, celle-ci poussait un dernier cri et puis finit. Pauvre homme de Cro-Magnon. Il allait gourdin à la main, chasser l'ancêtre du lapin, souvent pour rien car le lapin de Cro-Magnon lui posait toujours des lapins. Pauvre homme de Cro-Magnon. L'avait pas inventé le fil à couper le beurre, ni même l'eau chaude d'ailleurs. Quand il courait dans sa peau de bête, on entendait rouler un pois chiche dans sa tête. Pauvre homme de Cro-Magnon. La tapisserie n'existait pas, alors pour égayer tout ça, au fond de sa caverne il dessinait des gazelles avec un niveau de première année de maternelle. Pauvre homme de Cro-Magnon. C'était pas la joie dans son clan, ça rigolait pas très souvent. Et quand c'était l'âge de Pierre, on fêtait pas son anniversaire. C'est triste pour Pierre. Pauvre homme de Cro-Magnon. Quant à la femme de Cro-Magnon, quant à la femme de Cro-Magnon, j'ai une photo d'elle dans mon portefeuille, si vous voulez y jeter un œil. Fais voir. Pauvre homme de Cro-Magnon.